Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je rêvais. Puis là-bas, une petite créature dans la vraie vie m'a dit: Bon, bah, maman, on se lève. Alors, je me suis levée avant de réfléchir que j'avais pas du tout besoin de me lever. Bref. Ça streamait pas trop tard. Et en vrai, à la même heure que d'hab. J'étais en train de rêver que je la préparais pour la crèche. Je me suis dit, bah c'est l'heure de partir à la crèche. Alors donc je cherche une certaine personne appelée Inny. Je n'ai fichtrement aucune idée de où elle peut être. De qui c'est ou quoi que ce soit. En plus, je me rappelle plus du dernier dialogue. Je vais aller redemander au marquis quand même. Fichtre! Il est plus là. Va être en train d'aller se coucher. Ah non. Autour du volcan de faire des siennes, comme si je n'avais pas assez de problèmes comme ça. Stopper le blizzard de Krell. Ok, faut aller au volcan. D'accord, très bien. Et il est 22 h, donc on va pas aller très loin. En vrai, il faudrait que je me trouve des arbres violets. Voilà. Parce que je vais en avoir besoin pour améliorer mon niveau de magie. Elle marche tellement bien cette hache. Trèfle pour mes animaux féeriques. Ok, je pense que là je suis au bout. Je suis au bout. Il se fait tard, il se fait tard. J'aurais bien trouvé un peu. Mais non. Il y a vraiment beaucoup de lucioles ici. C'est mes arbres violets qui repoussent. Et c'est parti. Donc on va devoir aller au volcan. Mais je vais d'abord voir. Ah, j'avais rien vendu. Bah bravo. Ah mais oui, c'est normal. J'avais rien récolté vu que nous commençons tout juste une nouvelle saison. L'automne. Au bébé animal. Ah, mais au-dessus, ils mettent c'est quel animal qui est né. Donc, c'est un lunel qui est né. Très bien. Alors, je vais checker où j'en suis. Moi, j'en suis là. Donc, je peux pas continuer à améliorer ma mon endurance pour l'instant. Il me faut un saphir poli, une émeraude polie et plein d'argent. Plein d'argent et plein de soie. Ok. Et de la soie et du bois d'œuvre ancien. Ok. Très bien. Peut-être qu'aujourd'hui on va passer à la mine. On va pas continuer la quête principale. On va peut-être aller plutôt chercher de l'argent, du saphir et de l'émeraude. Faut que je me prenne un thé.
Chaud. C'est où? Hop. Un petit thé vert. Parce qu'il... Par contre, il disait dans une des... Dans une des astuces de regarder le calendrier pour connaître... Hein, mais je vois... Ah oui, en haut. Ok, on voit c'est quoi comme... comme température. Super, on va avoir de la tempête. Des nuages. Donc on va pas avoir beaucoup de choses à arroser cette semaine. Toujours pas de nouvelles plantes, toujours pas de nouvelles plantes. J'ai pas planté des fruits de cette saison. Et salut Rinouche, comment ça va? Hop, alors il faut bien papouiller le petit nouveau. Et dès qu'il sera au max, peut-être on pourra avoir des nouveaux bébés. Mais oui, ils te proposent des noms qui tiennent pas dans leur nombre de caractères. Et franchement, j'ai la flemme de chercher des noms. Du coup, bah, je les renomme pas. Et donc, ils s'appellent Boule d'Up. Lieu de boule de poil. Voilà. Que un seul lait pour Fenouil ? Enfin ! Alors qu'il est au max de la joie. Ah oui, on attend de voir si Haricot va avoir un bébé qui aura 6 niveaux de bonheur chez les panneaux. Et si oui, ça veut dire que tous les animaux qu'ils ont ici vont être revendus. Mais en vrai, je crois qu'ils sont déjà tous ils sont tous niveau 4, c'est ça. Donc de toute façon, tous ceux qui sont niveau 4, je les revendrai quand j'aurai eu des niveaux 5. On m'avait pas prévu. Donc là, ça c'est fait, ça c'est fait. On n'a pas de bébé de haricot. Est-ce que j'ai du bois d'œuvre ancien que je peux faire? Ouais. Donc j'ai dit qu'il me fallait, oui. Un saphir et... émeraude. Eh ben, je peux me faire mon saphir et mon émeraude, très bien. Mais je crois que c'est en argent que ça va pêcher. Ouais, j'ai plus d'argent. Je t'ai fait un mail avec des filles qui me restent, sachant que je ne me fie qu'à la voix et au son. Ok, ça marche. Bah merci. Merci beaucoup. J'ai une super super testeuse de streamer. Allez, laisse-toi attraper et saleté. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va aller regarder, chercher notre petit... Notre nouvel animal féerique. Pareil, je vais pas faire reproduire ceux de niveau 3. Parce que je vois pas l'intérêt de les faire se reproduire. Les monter du point de double épine va pas avancer. Ah. Ouais, je vois pas l'intérêt de les faire monter en joie et tout si c'est. Bon, après les revendre quand même. Alors, les petits nouveaux. Voilà, blanche. Ah, fichtre, elle est pas d'assez bonne humeur, blanche. Bon, bah, du coup, je mettrai personne à reproduire aujourd'hui. Il faudra que je repasse demain pour papouiller blanche. Touk touk. Mais on va aller récupérer le nouveau bébé quand même.
Non, ils sont pas encore cuits, hein, les tarbes. Je pense qu'ils seront demain. Limoncello. Très bien. Vas-y. Hop. Donc, alors on a dit limoncello, c'est un comme ça, donc on va vendre Mooney. Et on va papouiller limoncello. Qui qu'il est ? Limoncello, il est resté dehors. Ah, parce qu'il est bloqué. Par contre, je sais pas comment je vais le débloquer. C'est débloqué. Parce que faut le papouiller. Plus vite il sera au niveau, plus vite on aura de meilleures lunaines. Très bien. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Donc j'ai dit qu'il fallait que j'aille à la mine quand même pour récupérer de l'argent. Le minerai. Quelle ombre, une flottante. Et je pense que je vais pas y passer la journée, du coup comme ça je pourrais aller vendre des trucs. En ressortant. Et je vais prendre le plus de minerai possible. Alors, argent. Minerai d'argent faible, minerai d'argent moyen. Bah, très bien, on va se faire à partir de l'étage 15. Puis je tape pas dessus aussi. On va pas aller loin. Ok, il y a deux statues. Je sais plus à qui j'achète les nouveaux bourdons. Faut vraiment que j'aille voir si je peux pas le mettre le terre niveau. Oh là là. Ça va, ça fait à peine perdre. Je suis même pas sûre en fait que ça me fasse perdre. Deux statues et une contrebasse. Chance de vol de mana. Ouh, c'est cool ça. Ça suffit. Faut vraiment que je sois attentive pour le saphir. Sinon vraiment je vais en louper et ça va me saouler. Je me prends tellement de dégâts, je fais tellement pas gaffe. Après de toute façon,
Quand j'ai plus de vie, je sors et j'en ai pas besoin hors du donjon de la vie. Ah non, c'était une moyenne de potion. Qui m'a filé une potion moyenne? Ah, je pense que je l'ai gagné dans le... C'est pas grave. J'en ai combien déjà en dirait d'argent? 15. 15. En vrai, je crois qu'il m'en faut au moins 40. Parce que normalement, le minerai d'argent, on n'en trouvera pas dans l'autre mine. Franchement, les montres, ils visent vraiment super mal. Et ils sont vraiment mauvais. J'ai cru voir. Pas du tout. Alors. Et le saphir, il n'y en a pas énorme quand même dans les... Genre le quartz rose, il t'en sort 6 en un coup de pioche. Et le saphir, c'est pas la même. Je vais prendre ma soupe de je sais pas quoi au machin. Ma soupe de poisson aux champignons pour améliorer ma puissance de forage. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que je tape moins? Est-ce que je récupère plus d'objets? Je ne sais pas. Je viens de gagner une potion de santé moyenne. Elle est où la suite? Des arbres? Je suis dit tant que j'avais commencé. Voilà, et du coup, il y a Fleur qui est passée qui a dit ah, bravo, ça tue la.
Il y a Rinouche qui te dit bonjour. Je suis pas sûre qu'il ait entendu. Il sifflote des chansons de Zelda. Il y a Rinouche qui te dit bonjour. Dis eh bien bonjour Rinouche. Que je me prenne une potion de bonne haleine. Là, il y a un minerai d'argent, mais franchement, flemme à cause de la statue. Et j'ai plus d'endurance. Alors, on est comment en cailloux? Enfin, en argent et en saphir. 34 saphirs. Bah, aller dans un étage où je vais trouver plus d'émeraudes. Voilà, on va aller au 22. J'ai même pas regardé l'argent, 70. On est bien en argent. Je me ferais bien, ouais, quelques émeraudes. Est-ce que ça peut être pas mal? Flemme. Et il y a un paquet de monstres sur ce plateau. J'ai fait 11 émeraudes. En vrai, on va y aller. On rentre. À la ferme. Donc. Ah oui. On se prend un thé avant qu'elle râle. Nia nia, j'ai froid. Touk. Je pense que je vais vendre deux saphirs polis. Je suis short en petite potion de vie. Je vais aller en acheter. Alors, déjà, si je vais aller en acheter. Chez la vendeuse de potions. Ah bah du coup, on ira voir Drac. La vendeuse de potions, elle est là. On va se taper au bois lugubre. J'en profiterai pour récupérer des champignons et des noisettes, enfin ceux de cette saison, je sais pas encore. Ah, je sais pas encore c'est quoi cette saison les champignons et les noisettes. Enfin, et les fruits à coque. Des noix et des chanterelles. Dans c'est pas du tout ça que... Les chanterelles, c'est le champignon le plus commun dans Stardew Valley.
Lost. Ensuite, allons voir Drac. Laisse-moi deviner, un nouveau sort? J'imagine que tu veux savoir les effets du sort de charme, pas vrai? Va calmer les bestioles enflammées à proximité du coffre. Mais non, je veux pas te parler, je voulais choper la grenouille. Alors maintenant, allons à la boutique. Je sais jamais comment aller à la boutique de Vera. Parce que vu comment c'est galère d'attraper des grenouilles, parce qu'il te faut une grenouille par potion, autant acheter des potions. Et salut Hard Gamer, comment ça va? On va craquer un peu, comme ça au moins. On est bien. Ça doit être cher. Bah non, franchement, c'est 50 florins. Sachant que j'avais 5000 dans ma poche. Du coup, non, c'est pas si cher les petites potions. Donc clairement, c'est bien plus simple de les acheter. À 9h ce matin, j'ai reçu un message de Rinouche. C'est bon, je suis prête, tu peux streamer. Alors j'ai dit que le saphir, je pouvais en vendre un ou deux. Mais comme je venais de me lever, j'ai pas streamé tout de suite. Alors, est-ce qu'on va pouvoir construire des nouveaux trucs pour améliorer nos réserves. Mais faut 3 lingots d'argent et j'en ai que 2. C'est Riri qui décide quand tu streams. Bah du coup je lui ai dit sinon tu vas chercher des streamers. Du coup elle m'a fait un petit mail avec les streams qu'elle avait trouvé bien. Il me faut... Ah oui, il faut que je fasse de la soie aussi. Je me suis baladée sur Twitch. J'ai trouvé un jeu, mais j'ai rien compris. Bon, vivement que je fasse plus de soie, là, parce que... C'est long à cuire un lingot. Est-ce que je pourrais bien faire d'autres? En attendant. Supermarché, il faut remplir les rayons et vendre. Ok. Soit. Mais ouais, c'est la mode des jeux comme ça. Tu as des catégories sur Twitch, Rinouche. Oui, tu peux chercher par jeu, par... Je sais pas si tu peux chercher par style de jeu. Ah si, avec les tags. La harpe, il me faudra 3 lingots, 3 soies. Je suis un peu en dèche de soie en ce moment. Donc voilà, en vrai, normalement, vous inquiétez pas, normalement tu... Blinde pas ta maison de meubles comme ça. Vu que tu as plusieurs maisons, tu peux aménager chaque maison. C'est ça. En beauté, il n'y a jamais personne. Sauf moi qui fais des ongles. Sur tout Twitch français.
Je vais regarder si j'ai pas des fleurs. Ben, j'ai... Parfois, je vais en crève. Ouais, bah c'est ça. J'arrive pas à me rappeler ce qui fait gagner des thunes. À part des pierres polies. Ouh, mais si je plantais ça, moi. Ce serait pas mal. En fait, ça va être relou si je les mets par là. On va les mettre là, mais ça... Voilà. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que le temps passait dans les mains. Une nouvelle journée commence. Bim. 2 saphirs polis, 1000 florins. Et mon bébé mamou est né. Ah! Nous allons avoir sur FireFM, tu es la seule qui le stream. Ouais, bah c'est ça. On va aller voir si notre bébé vache, ouais. il est d'un niveau plus élevé, ou s'il a encore que 5 points de bonheur. Après on récoltera les tout. Bébé mamou, c'est en... Il va s'appeler Meu. Super. Et Meu, alors. Ah, oh, je peux pas savoir. Il faut que j'attende d'être arrivé à la maison. Oh, peine, on va attraper une. Voilà. Mais oui, je sais plus c'était quel jeu auquel je jouais. Bah, c'était à choisir entre TOTK, où il y avait 17 000 ou 19 000 spectateurs en total sur Twitch. Et ça devait être Pokémon Arceus, où il y en avait 15. Bah, du coup, je jouais un peu à Arceus à des moments. Alors, mon petit Meu. Tant de suspense. Il a 6 points de joie. Fichtre. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? En vrai, je vais continuer à faire des bébés à haricots. Au cas où il n'y ait pas plus de points de joie, mais... Mais ok. Parce que je trouve pas sur internet combien de niveaux ils peuvent avoir. C'est assez frustrant. Tiens, haricot, tu vas me suivre et on va aller faire un bébé. Enfin, lui, il va faire un bébé. J'aurais pu le récolter, haricot, aussi. Un peu flemme de... Hop, on va papouiller Meu et notre bébé mouton. Ah, il est où mon bébé mouton? Je dirais que c'est plus un bébé mon mouton, du coup, ok. Voilà. Donc très bien. Donc il va falloir que je regarde chez mes autres petits animaux si j'en ai pas un niveau 5. Oula. Il est pas encore assez content, Bulled Up. On va essayer de le papouiller, mais du coup je pense que il fera des bébés que demain. Non, c'est pas éclair que je veux. Moi je veux boule de poil. Il est où, boule de poil? Ah, il est là. Les sous petits gars. En vrai, faut que je me fasse une poule aussi.
C'est le bordel, les grands animaux. Enfin, les animaux. Alors, déjà, on va se faire de la place. Et je peux ranger la potion de bonne haleine pour l'instant. Donc, j'envoie Rico faire un bébé. Ensuite, j'envoie petit gars faire un bébé. Mais c'est triste parce que ça veut dire que même haricot, à terme, je le vendrai. Oui, il y a un reflet sur la porte de garage. Et je sais que ma grange est pleine. J'ai pas d'annulette. Allez, salut Haricot. J'ai pas de bébé ici. Et on va récupérer des bras. Parce que l'autre fois, il m'a demandé une confiture, l'autre. Il te faut 30 fruits par confiture. Ça pique un peu. Alors. Donc on a dit, il me faut une poule de niveau 5. Donc clairement, donc il faut que je fasse faire un bébé. Allez, viens petit gars. Et en fait, ça va, de faire se reproduire les animaux, ça prend pas de sous. C'est juste les amulettes pour les avoir de couleur chelou qui coûtent. Voilà, ça c'est fait. Les bébés sont en route, on va pouvoir récolter les fleurs pour aller les vendre. Et après peut-être on continuera la quête principale quand même. Ce serait bien si on pouvait les récolter avec du mana, les récolter par zone aussi. Y a rien qui cuit. Je pensais que c'était déjà prêt tout ça, mais non. Vendons les fleurs. Ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai été voir mes animaux. Ah oui, mais j'ai pas été voir mes animaux féeriques. Donc il me faut de la soie pour améliorer ma maison. Je discute avec Eves. Il a essayé de mettre sur sa chaîne un emote twerk. Oh là là. Et du coup, ça a été refusé. Ouais, refusé. Alors, il faut que je papouille Blanche. Allez, Blanche. Oui, Blanche est réjouie, je vais pouvoir faire un bébé. Mais c'est frustrant ça, les emojis, parce qu'ils mettent tellement longtemps parfois à les valider. Ou à les refuser dans ce cas-là. Je vais te renommer en Enjoy. Ça se tente, et en vrai ça se tente. Parce que je sais pas ce qu'ils regardent, comment ils regardent, à quelle vitesse ils regardent et tout. Moi je dis ça se tente. C'est par où le... C'est par là. Eh mais le charpentier m'avait parlé d'améliorer ma maison. Vous croyez ça l'a grandi? Voilà.
Après, je pense qu'il pourra toujours le renommer après si la, si l'image est validée. Flore dit que c'est l'image qui a dû être refusée, mais je sais pas. La différence entre les deux. Twerk, c'est une danse où tu remues les fesses. Et enjoy, ça veut dire joie. Enfin... Et du coup, peut-être qu'ils ont plutôt refusé à cause du nom plutôt que... Enfin bref. Alors que moi, mes emojis, elles sont parfaites. Elles ont accès direct. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui. Non, mais non, on range pas les fleurs. Les vents, les fleurs. Donc moi, je veux aller à la ville pour vendre au marché et pour voir ce qu'il entend par améliorer ma maison, le charpentier. Et après, on ira... Améliorer une maison. On va améliorer la ferme. Il faut 25 minerais de cuivre et 25 bois de hêtre. Est-ce que je vais avoir les 25 bois de hêtre? Parce que le cuivre, je pense que je l'ai. Puis sinon, on ira couper du bois. Matériaux bruts. J'ai le cuivre. Et j'ai le tronc de hêtre. Parce que ouais, je sais pas ce que c'est. Est-ce que du coup... Non, je pense en fait il l'agrandit juste, mais... Bon, on va voir. Peut-être ça me donne un bonus aussi de vie et d'endurance. Ton amélioration sera prête demain. Eh bien, allons trouver Inny maintenant. Je vais aller ranger le bois de hêtre qui traîne dans ma poche. Je vais aller voir s'il y a pas, si ça existe pas une potion de chaleur. Enfin, une potion pour ne pas avoir chaud. Potion de tornade, potion de chaleur moyenne. Disparition, mana. Donc non. De confusion. C'est comme ça. Petite potion d'épine. Ok. Eh bien, allons-y. Donc, il faut utiliser le sort pour que je charme les monstres. Réponse ce soir qu'il a dit. Eh ben, très bien. Vivement. Un crabe des nains. Il y a un paquet de champis ici. Et c'est de l'agaric. Okay. Ça ressemble sacrément à une chanterelle. Et donc c'est ici où je dois charmer. Mais j'aurai cet insecte. Un scarabée ardent. Bonjour Inny, une âme sereine qui vit dans un havre de paix. Maintenant que le lézard a cessé, je vais peut-être enfin pouvoir sortir d'ici pour me balader. Ou bien rester confortablement installé chez moi. C'est quoi, quel vent ? Un ensemble de trois couleurs de teinture gris doux.
Alors, bienvenue dans ma piole sauna. Je m'appelle Inni, ravie de te rencontrer, Amekli. Est-ce que tu mettrais une émeute d'un cheval avec comme titre d'or? C'est pas moi qui m'occupe des émotes. Je suis pas sûre ça passe. Le marquis t'a demandé de me faire évacuer. Je suis flattée, mais je n'irai nulle part. C'est ma maison, tu sais, je ne peux pas l'abandonner. Il doit y avoir un moyen de refroidir un peu le volcan. De ce que je vois, en l'absence de Blizzard, le volcan est surmené. Quelque chose à l'intérieur surchauffe. Tu comptes aller à l'intérieur? Tu es une messagère bien courageuse. Essaye cette recette de potion, ça devrait t'aider à supporter la chaleur. Attends, un plan. J'ai un peu la flemme de faire la potion. Enfin, de redescendre pour faire la potion. Je vais regarder si on n'a pas un téléporteur. Ok, quelque part. Oui! On va te calciner niveau 1. Je pense que... Après, rigoler et pleurer, ils se ressemblent quand même, je trouve. Ils ont le même mouvement. Saut en orichalque. J'ai quelques minutes pour récupérer un peu d'orichalque pour me faire un saut déjà. Allez, je pense que c'est bien. Je pense, ouais, que Rinouch, c'est... Parce que je ne comprends pas les significations. Je suis une quiche. Bah non. Mais il y avait une ouverture dans les... Dans la barrière, donc j'ai juste sauté. Bon, donc allons préparer une petite potion ignifuge. Super, j'ai eu deux orichalques. C'est quatre pour faire un saut. Rigoler, c'est rofle. Et pleurer, c'est sob. Dans le nom des émojis, mais ça t'aide probablement pas. Donc rentrons à la maison. Par contre, il n'y a pas de téléporteur à l'entrée de la caverne brûlée, là. Du volcan, pardon. Alors, alchimie. Il me faut du fibre de gel. Flocon de neige. Oh, il faut que je construise une serre des montagnes. Il faut du bois d'œuvre ancien et de la mousse de tourbe. Trois bois d'œuvre ancien. Est-ce que je vais avoir assez de... Là, de bois d'œuvre ancien. Pas tous sur le balcon. Genre tu prends ton PC fixe. Donc il me faut du sapin et de la tourbe. Fichtre. Et salut Lulu, comment ça va? Eh ben ça va. Je dois récupérer de la tourbe de montagne. Et du sapin. Ok, j'arrive. Je me réveille tranquillement. Ouais, moi ce matin, l'abominable petite créature, j'étais en train de rêver que je la préparais pour la crèche. Donc quand elle est venue à côté de mon lit et qu'elle a dit « Maman, on se lève !» Bah je me suis levée, alors qu'il n'y avait pas du tout besoin. Puis j'ai ouvert mon téléphone avec Rinouche qui m'a dit « C'est bon, je suis prête, tu peux streamer. » Donc bah, j'ai été petit déjeuner et puis j'ai streamé. Hop. Donc il faut de la tourbe.
Il y a beaucoup trop de monde qui se dit salut dans le chat, je suis pas habitué. C'est parce que ce jeu est trop bien. Moi je vais faire pareil que toi, déjeuner. Que moi je pense que demain ce sera mon dernier jour avec des Chocapic. Après il va être vide. Ok. Quelqu'un voudrait aller au boulot à ma place? Là comme ça? Plutôt pas. Même si tes petits vieux sont sympas, hein, mais... Peut-être, en vrai. Alors ça c'est du... qui est pas fini de repousser. Sérieux, je vais pas avoir assez de sapins pour... C'est joli ça. Papillon cendre. Fais un clone de toi. Bah oui, voilà. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Difficile de faire porter une personne par un clone. Bah, ça dépend si ton clone il est de bonne qualité ou pas. Fais-toi en broderie. Allez, laisse-toi attraper, s'il te plaît, l'abeille. Bon, j'ai plus de bois. J'espère que j'en aurai assez pour faire ma... Ah si, il y en a peut-être à cet étage-là. Toi, j'ai fait un stage dans une maison de retraite. Ouais, elle veut pas ramasser les mots. Ah oui, parce qu'elle a froid, parce qu'il pleut. Ah, elle est de mauvaise humeur quand elle est sous la pluie. Bon bah, il n'y a plus de sapin. J'ai trop utilisé de bois pour améliorer ma maison. Ton impression. Bah, c'était qu'un stage. On peut pas en faire plus. Non, c'est pas là. Je peux faire combien de bois? Je peux en faire un. Oh, la tuile, je peux pas construire ma... Je vais pas pouvoir construire ma serre. Faudrait que j'aille péter des trucs dans ma maison. En vrai, j'ai kiffé. Erinou, ça fait combien de temps que tu travailles en gériatrie, toi, du coup? Donc du coup, je vais péter des trucs où ça me prend du bois ancien. Hein. Je vois pas d'autre solution. Hop. Qu'est-ce qui me prend du bois d'œuvre ancien? Bah, y a que le canapé. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, déplacer ça. Je puisse péter ce canapé. Voilà. C'est quand même pas mal qu'on puisse récupérer... Viens dans mon service, on t'empoche. Ça fait 30 ans de Dieu. Et du coup, je peux faire ma pile de coussins vu que j'ai récupéré plein de soie. Ça, ils sont tellement en dèche. Et voilà, je peux faire ma serre. Pour y mettre mes insectes, faire des flocons de neige. Et il me fallait autre chose que des flocons de neige, on a dit. Je me rappelle déjà plus ce que c'est. Fion de feu, fibre de gel. Mais il n'y a personne qui me propose des fibres de gel.
première fois que j'ai été en maison de retraite, j'avais pris un chocolat chaud. Je l'avais adoré. non, en vrai, je sais pas c'est quoi les fibres de gel. Ah si! Je pense que c'est avec les chardons. Ah si, fibres de gel. Ouf! J'ai eu peur. Allez les libellules, on se fait du... Ça fait des cendres, ça fait des cendres. Ça fait des céréales minérales. Bien sûr. Donc très bien, on va vider les poches le temps que ça se produit tout bien. Souvent, j'ai plutôt l'impression d'être sur un ring qu'en médecine gériatrique. Non mais ouais, c'est bonne ambiance. Et je peux donc faire ma potion ignifuge. Chocolat, c'est dans ma tronche que je le prends. Que je récupère des chardons. Je vais faire une toute petite pause. Je vais vous mettre la pub. Et je vais vous dire, je reviens dans une minute. J'ai reçu un coup d'appel. Eh ben très bien. À tout bientôt, Lulu. Je vous mets une pub de 3 minutes. Un petit peu de musique d'attente et je reviens. À tout de suite. Hop, oui. Et re-coucou! Mais je vous avais mis la musique d'attente et tout! Et là, il reste encore une minute de pub en théorie. Qu'on va pas relancer le jeu tout de suite. Oulala! Chat en émoticône uniquement. Toi, tu te la pètes parce que t'as des émojis qui viennent de partout. Mais ok, pendant 10 minutes, le chat sera uniquement en émoticône. C'est parti! Non, j'ai pas fait encore. Et où c'est qu'on fait? Ah. Oh, c'est où? Voilà! Non, mais ça, c'est vraiment juste pour te la péter avec tes émojis et tes émojis. Évoli. Mais j'avoue, elles sont mimes. Et donc, l'émoji, ce serait un Evoli qui twerk. Je bois un coup.
Mais magnifique Stitch. Alors, la pub est finie, on est reparti. Donc, j'en étais, j'ai fait de la je suis en train de faire de la potion unifuge pour aller. Mais il est 11h43. Fichtre. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça. Mais j'ai du mal à comprendre les émojis, donc je vais peut-être répondre à côté là pendant les 10 prochaines minutes. Et c'est la nuit. Je suis pas allée vendre mes fleurs, je crois. Ah, elles sont mimes, les émojis de gaffeuses. C'est bon, on a perdu Rinouche. Très bien. Eh ben, avançons. Oh, ma maison, elle est plus grande. Ok, cool. Ça va être plus simple. Est-ce que ça commençait à être un peu serré? Donc, très bien. Et comme ça, vous regardez pas le jeu, vous vous ennuyez pas trop. Hop, on va ranger tout ça. Et ça aussi. On va récupérer les potions inifuges. Enfin, d'inifugie, je crois qu'ils appellent ça. D'inifuge, je trouve. Ok. Et donc, il faudrait que je trouve dans le. Faut que je me récupère des chardons. Des neiges. Ah, mais il faut que j'arrose mes plantes, du coup, aujourd'hui. Pommes de terre, des betteraves givrées. Je vais récolter maintenant des de l'ail. Ok. L'orque serait content, il adore. Et des Pokémon. Il y a une invasion de Pokémon dans le chat. Au secours, au secours. Moi, je cherche les graines d'ail. Bah, c'est où les graines d'ail? Là. 4 arrosages. En vrai, maintenant que j'ai eu un peu de tout, je pense que je vais remettre juste des citrouilles. Je suis pas... Ah, mais j'ai pas encore de graines de citrouille. Pichtre. On mettra de l'ail. Est-ce que j'ai rempli mon... Non. Et des évolis, et des évolis, et des évolis. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles plantes, hein. Un peu naze. Ils sont tellement mimi ces évolis. Mais tu sais, Artgamer, t'as le droit de mettre tes emojis quand c'est pas en emoji uniquement. Ah, et l'autre jour, j'ai été déçue. En fait, je me disais, super, maintenant on peut mettre des emojis. Gratuit pour les followers. Je me suis dit que vous alliez mettre mes Stitch Mood partout. Mais en fait, non, ils sont. Si t'es pas abonné, t'as pas accès aux évolis. Oh, aux emojis sur les autres chaînes. Je sais pas si je me fais. Du coup, j'étais toute triste.
J'ai fait des betteraves. Je vais replanter de l'ail un coup. Mais oui, j'étais trop triste. Ça c'est fait. J'ai un peu la flemme de replanter des plantes féeriques parce qu'en vrai j'en ai pas besoin. Ça c'est fait. Ça on va aller vendre. Ça on range. Très bien. Et en haut, il faut que je coupe du bois et des chardons. On va aller. Je cherche mon bébé lapin. Ah, quoique, je l'avais peut-être fini. Ah non, il est là. Voilà, boule de poil, je vais pouvoir le faire se reproduire. On va récupérer les œufs et le coton. Ça fait 7 minutes. Allez, courage, dans 3 minutes, je remets les... C'est fini pour les émojis. C'est joli ça, Rinouche. Mais c'est dommage, il reste pas collé les emojis sur l'écran. Du coup, quand t'essayes de faire des trucs comme ça, ça marche pas quand ça marche pas sur l'écran. The Wim. The Wim. Ce serait tellement bien si ça se tondait comme ça, les amis. Et The Wim. C'est une pizza à l'ananas? Est-ce que c'est légal de mettre ça? Genre, ça a été accepté en emoji, une pizza à l'ananas? Non, pas les fleurs, on a dit, les fleurs, elles vont se vendre. Et après, on retourne voir Inni. Non, mes animaux... J'ai failli oublier mes animaux féeriques. C'est un peu chiant qu'on puisse pas amener la grange ici. Remboursé. Alors, où Kiki la Limoncello, il est là. Et cette fois, Cassos va se refaire de la soie. Donc oui, sur le Discord, oui, moi je cherche un sweat à capuche. Si vous connaissez des marques, tout le monde. Je cherche des sweats à capuche à zipette, donc des vestes. Avec des imprimés, type des stitches, des trucs comme ça. Chose que je ne trouve pas en ce moment. Alors, on va vendre les dernières fleurs. On va aller récolter du bois et chardons. Et puis bah, on va aller voir Inni pour continuer la quête principale. The boy. Mais on va un peu se blinder en chardon parce que je sais pas combien de temps on aura besoin.
de potions de chaleur, je pense que ça va être chiant, qu'il va falloir en avoir besoin tout du long et ça va me saouler. Après peut-être on pourra en acheter à Inny aussi, ce serait pas mal. Mais je ne suis point sûre. Et il y a quand même pas mal de végétation dans la neige ici. Bon, je sais toujours pas si j'ai le courage cet après-midi de faire des ondes. J'ai vraiment peur que ça me fasse mal à la tête. Mais j'ai vraiment trop envie. Mais pourquoi je récolte ça, moi j'en ai. Bonjour madame. Tu as concocté ces potions, super, elles t'empêcheront de perdre ton sang-froid. Bonne chance, en cas de doute, garde la tête froide. L'entrée est juste ici, j'imagine que tu peux y aller et commencer à descendre. Crois simplement en toi, fais attention au bas bazar et reste cool. Oh, et attention aux chutes de pierre, j'ai entendu dire qu'elles étaient fréquentes ces derniers temps. Ok. J'ai moyen de lui acheter des potions ? On a dit qu'il n'y avait rien par là. Eh bien, allons-y dans la mine. Enfin, dans le volcan, du coup. Et donc là, l'idée, ça va être de se blinder en orichalque. Je peux faire des plates-bandes d'hiver. Ok. Titi. Titi. Quoi? Hein? Eh, mais c'est fini les. Ah, mais oui, t'as pu parler! Parce que t'es un. Bon, vous pouvez recommencer à parler. Ah, et d'accord, donc ça tombe. Discord. Ah! Mais qu'il est beau. J'ai peur, ils sont un peu chauds. Parce que Artgamer, il vient de m'envoyer des photos de pull Stitch. Mais oui, effectivement, en fait, faut que je cherche sur Amazon ou un truc comme ça. Ouais, ces trucs d'hiver. Moi, il m'en faudra pour la mi-saison. Bon appétit, Rinouche. Avant 11h. En même temps, tu commences à 13h. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ne sais pas de quoi faire, Lulu? Là, on a des statues. Il faut apporter le noyau en fusion à l'hôtel. Ok. Qu'est-ce qu'un noyau en fusion? C'est une bonne question. Fichtre, j'ai plus de batterie dans une. Thorval. Ah, en live? Est-ce que t'as quoi toi en ce moment? T'as du Minecraft? Jennifer. Genre le magasin?
Ah, j'ai pas d'idée pour toi, Lulu. Pichtre. Ah, ça doit être ça le noyau en fusion? Non, pas du tout. Pour DB en chemin, serre-toi des torches pour l'empêcher de refroidir. Oh, fichtre. Oh, ça va être chiant. Là, j'ai les torches, ok. On cherche un noyau en fusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont immenses les étages, je vais jamais en sortir. Tire tout. Ok. Ah, donc j'ai le noyau en fusion. Il faut pas qu'il refroidisse. Ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Et je pense que je pars pas du tout dans le bon sens. Oh non! Donc ça va, ça reste à 12. En live, j'ai Minecraft Call of Cold War. Un jeu Lego. Ça peut être bien un jeu Lego. J'aime pas me stresser là, ils sont vilains. Piouf. Donc je note, merci Art Gamer. Alors attends. Que je note les noms parce que après je retrouverai plus. Parce que ouais, en fait, ça fait des années que je me dis toujours, je tombe sur un bien et je me dis bon, il est pas zippé, je le prends, je le mettrai quand même. Et en fait, non. Juste, même s'ils sont super magnifiques, j'arrive pas à les mettre. C'est bon. Décidé, je fais les jeux Lego en platine. Bah voilà. AliExpress. Bah en fait aussi j'aimerais bien un truc que ce soit pas trop de la mauvaise qualité quoi. Parce que dans l'idéal si je peux pas me le... Je peux pas m'en racheter trop souvent. Chez mon copain Shane. Pareil. Je suis pas trop fan. Parce que moi habituellement je me fournis chez QWERTY mais en ce moment... Donc QWERTY t'as 3 motifs par jour qui pop. Et en fait, en ce moment, ils font plus trop de stitch. Ok, donc là, on a une torche. On va falloir commencer à réfléchir dans les donjons, sérieusement. En plus, je suis en train de tout faire tomber. Aïe. Ah mais je peux marcher dans la lave là. Ah non, je prends feu quand même, j'ai l'impression. Quand j'étais ado, je me fournissais chez Goéland, mais ça a fermé. Sont revenus les... Non. Discord. Ok, attends, j'arrive au... Je vais voir le Discord. Mais... Comment ça, c'est par là, mais... Fichtre. Mais ils sont pas zippés ceux-là.
Après, moi, ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien dans les QWERTY, la fille relou. Du coup, en fait, il m'envoie en. En MP. Ce que j'aime bien dans les QWERTY, c'est que t'as. Que t'as plusieurs. Enfin, genre, mon préféré, mais il est trop petit depuis bien longtemps. Il y avait Stitch, Croque-Mou et Totoro. Après, je sais que je retrouverai jamais les mêmes et tout, mais. Tu sais, quand t'as plusieurs licences dessus. Piouf, on a trouvé. C'est vraiment chiant leur truc. Franchement, là, ce donjon, je sens qu'il va me sortir par les yeux. Et par contre, je m'y suis résolue, mais j'aime pas trop le bleu. Mais si tu fais un Stitch, t'as des habits souvent. Et il me sort déjà par les yeux ce donjon. Aïe, aïe, aïe. Quelle heure dans le jeu? 9h25. Du grenat nous avons ici, ok. J'ai cru voir un autre matériau. On a du grenat et du diamant. Et du rubis. T'es aussi difficile que ma sœur. Mais en fait, je me suis vraiment habituée au QWERTY à une époque. Peut-être une à deux fois par semaine, t'avais Stitch et Croque-Mou. Sur un motif. Et là, vraiment, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Oui, c'est vrai, on a dit que dans la lave, on prenait des dégâts, quoi. Mais j'ai chaud. Ok, d'accord, pardon, je comprenais pas pourquoi je prenais des dégâts. Non mais en vrai, oui, j'avais pas du tout pensé à aller regarder. Moi, je vais plutôt sur Amazon. Mais elle descend trop vite, l'endurance. Là, l'orichal qui me demande tellement de... d'endurance. Je sais même pas où elle est, là. Après, ça me sert peut-être pas à grand-chose d'espérer aller jusqu'à la porte. Je vais plutôt me faire un peu d'XP. Des sels ardents. Oh là là, je viens de me jeter dans lui. Il va falloir que je refasse ça tant que j'aurai pas de saut en orichalque, quoi. Ça va être tellement relou. Alors. Oh, qu'il est beau! Pardon. En plus, il coûte que 30 euros. Il y a même Midona.
Non mais du coup là je vais crouler sous les trucs trop cool. Ah ça va être mon petit cœur il va se briser plein de fois je sens. Par contre qualité bah voilà c'est ça. Après sinon bah je serais obligée de m'en racheter plus souvent. Parce que sur un des sites de t-shirts quotidiens, donc sur T-Fury, mais c'est aux États-Unis, là les suites, ils sont passés à 95$. J'ai dit non. En plus leur qualité est vraiment pas ouf à cela. Bon, va falloir que je vois à me faire de la cuisine différente parce que ces plats-là, ils commencent à plus me rendre assez d'endurance. Il pleut, donc on va se prendre un petit thé chaud. Et il faut que je me refasse des potions pour la chaleur. Qualité, c'est nouveau dans le dico. Parce que là, en ce moment, je porte un pull. Enfin, pas celui que j'ai là. Mais j'ai récupéré à mon frère un pull. Je pense qu'il a... Il a plus de 30 ans, le pull, et il est juste nickel. Genre, j'ai jamais vu ça. Ah oui, d'accord, catilité. Et on se moque pas trop de l'orthographe parce que des fois, Artgamer, c'est assez approximative la tienne aussi. Hein. Alors, combien j'ai d'orichalc? J'en ai 30. J'hésite entre faire des sauts et. Non, je vais me faire ma pioche d'abord. Oui, si ça m'arrive. Bah, c'est ça. Je me rappelle quand j'enseignais et que j'écrivais depuis l'ordinateur sur le tableau. Bah quand tu... Enfin clairement moi quand je tape, il y a une lettre sur deux presque qui est pas bonne donc j'arrête pas d'effacer. Et du coup mes petits séens... Maîtresse tu effaces souvent quand même ce que tu écris. Mais bah ça va laisse-moi tranquille. Mais c'était assez pratique de pouvoir écrire au tableau depuis l'ordinateur. Alors il est où? Boule de poil. Ah mais boule de poil il est parfaitement heureux. Dès que petit gars sera revenu... Hop. Non, en vrai, des fois, les créations de nouveaux mots, c'est rigolo. Bon, du coup, là, vous m'avez montré plein de trucs top en pull. Mais on n'est pas sûr de la qualité, quoi. Mon petit cœur, il va tellement se briser. Et mon portefeuille aussi, accessoirement. Allez, me sois joyeux. Faut tenter, c'est ça. Après, c'est pas avec ce que je gagne en stream que je vais pouvoir racheter plus de pulls. C'est pas approximatif, c'est rapide, c'est ça. Alors, donc je me suis occupée de mes animaux ici. Il faut que j'aille m'occuper de mes animaux là-bas. Et du coup, on va aller voir Cinder pour savoir combien il lui faut d'orichalc, enfin de lingots d'orichalc, pour améliorer ma pioche. Mais franchement, le donjon là, le volcan, je le sens tellement pas. On va tellement se faire chier. Alors, je voudrais faire des papouilles à limoncello. Coucou limoncello. Je prends une décision. Pas de dodo avant boulot pour rester avec vous. Mais non, il faut aller faire dodo, Rinouche. Attends, tu vas galérer ce soir jusqu'à 21h sinon.
Après, BH Papino, il va dire que je t'empêche de dormir, tout ça. Enfin, ces jeunes-là sur leurs écrans, ça va aller. Tu me diras combien t'as pris de café, du coup. Au 25e, peut-être faut ralentir. J'ai rien à vendre. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de soie, d'ailleurs. Comment ça, elle me propose une quête? Ah, j'avais fini une quête de métier, dites donc. Produire 8 opaces polies. Je commence juste à 6h demain. Oh, tu fais encore soir matin? Mais normalement. Ah oui, mais normalement c'est à 5h que tu commences, on est d'accord? À 6h15. Donc il me faut 5 lingots d'orichalc pour ma pioche. Ah oui, tu te lèves à 5h, ok. En vrai, moi j'aimais... Mais j'étais jamais si tôt, hein, quand on était du matin, nous c'était 8h, 8h30. J'aimais bien parce que les enfants... Enfin, du coup, moi je travaille en crèche. J'aimais bien parce que les enfants, ils sont... C'est la fin d'après-midi qui est difficile pour eux, où ils commencent à fatiguer. Ça, mon week-end est plus... Ouais, c'est ça. Ah oui, et je réfléchissais à faire de la meilleure bouffe. Oh, yeah. Mais c'est chiant parce que dans le menu de bouffe, le temps passe. Objet non découvert, objet non découvert, objet non découvert. Je vais voir ici s'il n'y a pas des trucs que j'ai jamais fait. Champignons, champignons, filet de poisson, crustacé. Elle. Genre l'ail, il compte que c'est une brunoise de légumes racines. Ça, ça me rend 75. Parce que pour l'instant, mon plat habituel me rend 50. On retourne sur le balcon. Bah bravo. Vaudrait mieux dormir. Voilà, mon plat habituel me rend 50 pour l'instant. Hein? Ah, Florky, il est inquiet parce que j'ai pas de veste et je vais prendre froid sur le balcon. ah oui, c'est vrai, je sais toujours pas faire de farine. Ouh, 85. 3 légumes hachés. Et c'est pas mal, ça. On va se faire des légumes au four, donc il me faut des brunoises de légumes racines. Donc il va falloir que je refasse des légumes racines. Donc les légumes racines... Non, en fait, je suis pas mal. Donc il faut que je replante de l'ail, ouais, quand même. J'arrive. Donc des betteraves rouges. Ah ! Mais pourquoi ? L'ail et les betteraves rouges, ça donne la même... Betterave, ça donne 3 brunoises. Et l'ail, ça en donne 4. Betterave, ça met 4 jours à pousser. Et l'ail aussi. En fait, faut plutôt faire de l'ail. C'est la même saison, c'est... Ça n'a aucun sens. Mais bon, on va pas s'énerver. Et donc il va me falloir des légumes verts maintenant. Ça va, on est pas mal en légumes. Ah ouais, même ça c'est des légumes verts, même ça. Ah bah oui, on est large en légumes verts, dis donc. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant il faut que je me fasse des petites potions de feu.
C'est vraiment la dèche en fibre de gel. Faut plus de charbon. Chardon, pardon. Et moi aussi, ce que je voulais, c'est ça. Il me faut des légumes hachés. Ah oui, et de la farine. Eh ben, on va aller acheter de la farine. On va hacher des légumes en masse. Et on va aller acheter de la farine parce que je crois que c'est galère à faire. Punaise, ça fait vraiment froid. Ouais, hein, il caille, non ? Il fait 7,2, ouais, dehors chez nous. Alors, je suis sur le Discord, là. Ah, mais non, c'est... Ce matin, c'est qui a dit ? Oh ! Donc, j'étais en train de... Ah oui, chercher. Parce que du coup, j'ai... Je regardais... Elles sont mimes, les lampes que tu m'as envoyées, Hardgamer. Je veux Fae Farm, farine. Ah oui, il faut du blé. Alors, les petits cailloux, c'est... il y en a un pour moi, un pour toi, un pour la petite créature, un pour ma reine. Parking de la créature. Oui. Désolée, l'abominable petite créature en ce moment nous offre des cailloux. C'est un peu chiant. Et du coup, la Flore demandait, c'est quoi le petit tas de cailloux là sur le sur la coiffeuse là où on pose les clés. Voilà. Alors la farine, un composant commun. Moi, je veux la faire, la farine. Donc, il faut du blé, mais je sais pas quand est-ce qu'on a du blé. Transformer le maïs en culture à l'aide de l'engrais. Ok, donc clairement, la farine, je pense que c'est à partir de la deuxième année que tu peux vraiment la produire. Donc, on va aller en acheter. Mais c'est à qui qu'on achète la farine ? PNJ ? Mais il me dit rien ce PNJ. Chez le boulanger. Il n'y a pas de boulanger. Il y a un boulanger ? J'ai peur que ce soit que la deuxième année. Dominique, mais c'est pas du tout cette tête. Ah bah si. Eh ben, allons voir Dominique. Voir si on peut lui acheter de la farine. Mais c'est là, la boulangerie ? Ah oui. Ah mais ils sont trop beaux ces pulls. Ah oui mais ils sont pas zipettes ceux-là. Faudra que je regarde les avis. Yeah, ah. 85 pour de la farine. Non bah on va pas faire ça hein. Fichtre. Bon bah on va pas manger de farine. Je suppose qu'il faut une farine pour faire un... C'est celui-là. Donc non, on va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Mais il faut combien de... Ah mais c'est des légumes hachés que je veux aussi. Par contre en légumes, je vais être un peu short. On va falloir que j'attende quelques jours pour les légumes.
Voilà, très bien. On est pas mal. Il est 15h. Donc on va aller récupérer des chardons. Et je vais aussi me refaire du coup des plats de fourrage. Mes soupes de poisson. Voilà, ce sera pour demain. Très bien. Et ben allons couper du chardon. Et après on ira dans la mie. Ça va, je le fais pas souvent. Et salut Imazaki, pardon. Je dis coucou à Imazaki parce qu'il est dans le Discord, mais je suis pas sûre qu'il soit là. Tout va bien. On va se couper un peu de bois aussi. On veut des chardons. Marinouche, elle fait n'importe quoi, elle fait même pas la sieste. Du coup, Flore qui l'a dit, quand elle sera fatiguée, ce sera sa faute. On dit ça à l'abominable petite crêpe. Oh, hier, elle a pas fait la sieste, elle a pas fait de temps de repos. Elle était dans un état. Elle pleurait pour rien, elle hurlait à la mort tout le temps. Puis clairement, quand c'est elle qui refuse de faire la sieste et qui fait des bêtises pendant la sieste, on n'est pas très... On n'est pas très compatissant, quoi. Et bah ouais, t'as pas voulu faire la sieste, t'assumes. Du coup, ça a été une soirée assez... riche en émotions. T'es ok pour Rinouche ? De quoi ? Oh, qu'il est beau. En vrai, j'en ai un, mais moins joli. En pyjama court. Après, moi, je fais du XXL. De quoi pour Rinouche ? Ah, attends, c'est que j'ai dû recevoir un MP. Ah bah non. Bon, j'essaye de retourner dans les MP. Fichtre. Voilà. Du coup, je sais pas de quoi tu parles pour Rinouche. On aura mes clients en stream avec le costume. Mais il est trop beau. Comme ça, je fais un stream avec ce costume. Et après, la tête, je la cale sur mon casque de ski. Parce que pareil, je voulais une couverture de casque de ski avec Stitch. Et j'ai jamais trouvé. Je m'ouvre une boîte postale, quoi. Je suis en train de piner toute mon endurance. Rien qu'en coupant des chardons. Voilà, là on est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir aller un petit coup dans la mine. Du coup, ouais, le premier Halloween de l'abominable petite créature. Moi, j'avais mon pyjama Stitch. L'abominable petite créature, je lui avais acheté un costume Stitch. Vas-y, je te l'achète. En vrai, c'est la fille à peine vénale.
En vrai, moi, je préfère qu'on m'achète des jeux, mais... à caler un jour où je bosse pas. Oui, bah oui. Après, sinon, je le mettrais plus, hein. Oh, j'aurais l'air fine. Par contre, je pense avec le micro, vous avez rien, vous allez rien entendre. Non, c'est pour ça que je voulais faire. Mais il est trop beau. Je fais du 2XL. Hop, une petite potion inifuge et c'est parti. Et du coup, ouais, donc moi j'avais mon pyjama Stitch, la bonne nappe de créature, elle avait sa tenue Stitch. Et on m'avait offert aussi un bonnet Stitch que Flork avait mis. C'était vraiment une bonne équipe de gagnants ce jour. Alors moi je veux de l'orichalc en vrai. Pas trop m'enquiquiner à avancer tant que j'ai pas... Tant que j'ai pas de saut, sinon c'est vraiment... On va se faire chier. Comment on fait pour envoyer des MP sur Discord? Je n'en ai aucune idée. J'en reçois, mais je n'en envoie pas. Bon, du coup, j'en ai 3. Il m'en faut 5. Donc, il me faut 20 orichalc. Pour améliorer ma pioche. Et après, je pourrais faire des... Des sauts. Ah, et comme ça, pour les prochains Halloween à la crèche... Non, je vais faire peur aux enfants avec le masque. Mais j'ai plein de magie, vu qu'il pleuvait, j'ai rien arrosé. Du coup, faut que je m'ouvre une boîte postale. Clique sur la photo de quelqu'un, puis envoie un message. Faut que je m'ouvre une boîte postale ou que je fasse livrer au taf de Flork. Yes, on a le caillou. Ça va, on avait de la marge en temps. Cet étage est désormais ouverte. Il me faut encore 4 ou 8 orichalc, comme ça je pourrais faire des... commencer à faire des sauts. Et moi je cherchais juste un pull et c'est parti en cacahuète. Hors de tout contrôle. Voilà, je vais pouvoir commencer à me faire quelques sauts. Forage niveau 14. Merci, mais c'est pour toi. Et bah, faut cliquer sur la photo de... Ah, Art Gamer, c'est RSH. RCH. RSH. Ah non, un monstre. Et franchement, il me donne vachement de... Vachement d'XP les statues parce que je gagne beaucoup de niveaux, je trouve, avec. De magie. C'est pas mal.
J'ai combien d'orichalc? 32, je vais pouvoir me faire des sauts, ça va être... Par contre, on voit pas grand chose en minerai, enfin en pierre précieuse, je trouve, là, pour l'instant. Très bien, après l'orichalc, il y aura les outils en or. Parce que là, ils arrêtent pas de me donner des trucs en or. Alors, je voudrais encore un peu d'orichal, qui me reste 20 minutes dans le jeu. J'aurais pas le temps de piller. Ah si! Et j'ai même eu le rubis. Alors, je vais juste vérifier. Oui, c'est bon. Eh ben très bien. Je sais pas si... Je sais pas ce qu'on mange ce midi. Ton bébé animal est né. Oui. Alors. Il fait quoi comme température? Il fait nuageux. Ce qui veut dire que moi ça va, je crains rien. Je peux ranger ça. Je cherche combien j'ai de lingots. J'en ai 3. Je sais plus s'il en faut 5 ou 6. En plus, on est allé voir. Hein. Oh, wow, Rinouche. Ah, j'ai envie de savoir maintenant. Ah non, je me rappelle plus combien de richal qu'il faut. Je vais en faire 2 déjà. Je veux voir. Ah mais il va falloir plein de thunes aussi en fait pour améliorer ma pioche. Il faut 3500, j'ai assez. Et il faut 5 lingots. Cool. Très bien, je vais pouvoir améliorer ma pioche un jour. Je déteste ne pas savoir des trucs. Pourquoi vous m'aimez pas comme ça? C'est un secret. Après moi je... J'aime pas ne pas savoir un secret, mais je ne sais pas tenir un secret non. J'ai toujours pas de nouvelles fleurs. On est remboursé. Oui, je sais que la batterie est faible, mais je vais pas me brancher maintenant. Je mange dans 10 minutes IRL. Donc c'est du rubis qu'il me faudra avec mes seaux. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller dans la mine avant que je m'arrête. Et du coup, cet après-midi, je sais pas encore si j'ai le courage de faire du nail art. Ou si on fait du Zelda. Après, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis. Je suppose que vous préférez le Zelda. Du coup, en fait, faut pas que je demande l'avis si je sais que je le suivrai peut-être pas. Hop. On va falloir que je me récupère... Je sais pas. C'est vrai, ça m'aide.
Déjà à table? Ouais, bah, Flore qui fait quand il le sent. Et c'est toi qui dis ça? T'as mangé avant... Enfin, tu nous as quittés avant 11h. Pour aller manger. Alors, poupougne, hein. Mes petites potions. Hop. C'est bon, j'ai tous mes lingots. J'ai tous mes lingots. Je vais pouvoir aller améliorer. Ah oui, non, d'abord, en fait, il faut... Surtout... Que j'aille m'occuper de mes animaux, parce que clairement, j'aurais oublié en revenant. Ce soir ou demain, pour jouer. Je vais aller voir mes animaux, d'abord. Coucou les chouchous! Boule de poil est parfait. Ah oui, c'est vrai, j'ai un animal qui est né aussi chez les fées. Faut que je me dépêche, sinon je vais oublier tout ça. Du coup, Flore qui va m'attendre pour manger. Mais tu sais, nous le soir on mange à 18h15, hein. Du coup, faut déjeuner tôt. Mais ici aussi j'ai un animal qui est né parce que j'en ai 6. Ben, on va amener Babs se faire sur. Non mais non, je voulais pas faire ça. Bon, faudra me rappeler au prochain stream d'aller chercher mes animaux qui viennent de naître. Déjà, je vais aller les nourrir, les féeriques, et puis on verra si j'ai le temps de faire autre chose. On va faire de la soie. Une nouvelle grenouille. Pomme de rainette et pomme d'api. Pardon. C'est sorti tout seul. Où les petits animaux? On va faire une petite papouille à limoncello. Le pas. Non! Non, non, non. Là, aujourd'hui, il fait juste moche. Enfin, je suppose que tu parles du jeu. Fait juste moche, donc j'ai pas trop chaud, pas trop froid, tout va bien. Nom de toi qui chante. Ah. Non mais ça va, je chante pas si mal, si. Allez, chez l'eau. Ah mais non, je peux pas. Il faut d'abord que j'aille récupérer l'autre animal. J'aimais mieux quand tu m'aimais. T'as jamais entendu mon frère deuxième du nom chanter, hein. De Dieu. Mais je crois que je t'ai jamais entendu chanter, toi. Ah, oh, mon Dieu. Mais quand tu streameras de la broderie, t'inquiète, tu vas chanter. Ça va, il y a juste une grosse averse. Non, ici, en vrai, chez nous, non. Professeur? Ok. Là, il fait plutôt beau. Ce matin, quand tout pile, quand Flore qu'il est allé amener l'abominable petite créature à la crèche, il a plu, mais là, nous, il fait plutôt soleil. Tu as retrouvé sa veste? Oui. Oui, Flore qui a retrouvé son ciré, genre... Dans l'entrée. On ne dit rien.
Et donc on va vendre Chatsy. Pour mettre professeur là, et il faut que je papouille professeur. C'est depuis que Amélie a chanté bizarre. Sans commentaire direct. Ouais, mais pourquoi ça doit bien être quelqu'un d'autre qui a chanté dans ta région, parce que moi dans ma région j'ai chanté et pleut pas. Mais en fait c'est pour ça que je me suis pas inquiétée plus que ça pour le ciré. Je me suis dit demain s'il le cherche il le trouve. Et effectivement. Ce qui devait arriver arrive. Oui, c'est vrai, j'ai mon amoureuse qui traîne là. Allez, faisons un nouveau bébé. Mais je l'ai pas pris là avec moi le... Oh fichtre. Un aller-retour pour rien. Bravo à mes clients. Magnifique. Je vous laisse à plus. Eh ben à plus, moi je pense que je serai là vers 13h, 13h30. Pour soit du Zelda, soit du Nail Art. Qu'à tout à l'heure et merci beaucoup d'être là. Je me suis fait un aller-retour pour rien en fait. J'ai dit je prends Limoncello. Ah, je dois manger de la paille là, je pense. À l'oreille, je dirais que c'est ça. Je suis un peu inquiète, je suis pas sûre qu'ils me suivent. Je pense que j'ai appuyé encore sur le mauvais bouton. Ah non, il me suit. Ouf. Mais je note quand ce Rinouche, elle est de soir, il faut que j'arrête de streamer à 11h30. 12h. Tu puisses aller faire ta sieste. À l'odeur plutôt. Non, parce que d'ici, je sens rien. Et j'ai peu d'odorat. J'ai très très peu d'odorat du fait de la cigarette, soit moi, soit d'autres personnes. Mais du coup, là, je réfléchissais à ce que j'avais dans le frigo et qui pouvait être à la poêle, faire ce bout. So, donc ça c'est fait. C'est la première fois que je loupe la sieste. Bah bravo! C'est le début de la fin. C'est le début de la décadence. Donc je vais aller m'occuper de mes autres animaux, hein, clairement. Je vais aller récupérer. Ça doit être une vache qui est... Bon, peut-être on n'ira pas à la mine aujourd'hui, du coup. Vu que je me fais des allers-retours et des allers-retours. Alors, Tater, combien il a de points de bonheur? Fichtre, on le saura à la maison encore. Mais voilà, on commence à louper la sieste et après, on fait le bazar dans le dortoir. On empêche les copains de dormir. Hop, je vais récupérer mes seaux. Alors, est-ce qu'il a 6 points de bonheur? J'arrive. 1, 2, 3. Il a 6 points de bonheur. Fichtre. Ah, mais je le savais déjà, en fait. Parce que moi aussi, il a 6 points de bonheur. On va revendre fenouil. Et je vais sauvegarder et aller manger.
Donc je vous dis à tout à l'heure. Du coup là j'ai pas le temps de lancer un raid et tout. Donc bon appétit pour ceux qui n'auraient pas encore mangé. Et du coup je vous dis à tout à l'heure vers 13h, 13h30. Peut-être pour des ongles, je suis presque motivée. Je vous dis à toutes, des bisous!